Bon, Jean-Michel, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu vas trouver? Qu'est-ce qui est blanc, froid et qui finit par âne? De la neige, banane. Maintenant, qu'est-ce qui est blanc, froid et qui finit par ir? Ah, tu sais pas non plus. La neige, banane, je viens de te le dire. Oh, pardon, vous êtes là, bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions du jour sur Gran Turismo 7. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'évolutions de stock, surtout beaucoup de ruptures de stock aujourd'hui. On va vérifier tout ça. La Honda Civic Type REK 1998 qui vient d'arriver en stock à 52 800 crédits. Un véhicule à prendre si vous en avez besoin d'une seconde pour faire un swap moteur, puisque vous en gagnez une dans le GT Café numéro 5. La Toyota Prius G2009 n'est plus disponible, elle est en rupture de stock, mais vous pouvez l'acheter neuve sans aucun problème. La Fiat 500 F 1968, la troisième du mois, à 16 000 crédits, n'est plus disponible. Cette voiture, c'est absolument incompréhensible, elle est arrivée en stock hier, elle est déjà plus là. C'est vraiment un mystère, la Fiat 500. La Chevrolet Corvette Convertible C3 1969 vient d'arriver en stock à 47 300 crédits, c'est un véhicule à prendre si vous ne l'avez pas encore, tout comme la De Tomaso Pantera 1971 à 165 000 crédits, vient également d'arriver aujourd'hui en stock. Plusieurs ruptures de stock, on va enchaîner avec la Toyota MR2 GTS 1997, la BMW M3 1989, la Subaru Impreza 22B STI 1998 et la SLS AMG 2010, ces 4 voitures ne sont plus disponibles. La seule que vous pouvez acheter neuve, c'est la SLS AMG 2010, et en plus vous pouvez la remporter dans le GT Café numéro 34. La Dodge Viper GTS 2002 n'est plus disponible, mais vous pouvez l'acheter neuve sans aucun problème à 120 000 crédits. La Honda Civic Type REK Touring Car à 114 900 crédits n'est plus disponible, il faudra attendre un tout petit peu si vous êtes passé à côté. Et enfin, nouveau véhicule du jour du côté des occasions, la BMW M3 2007 à 70 500 crédits. Une voiture que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 22 et que vous pouvez acheter neuve pour 93 000 crédits. On va passer du côté des légendes. Ça bouge un petit peu. L'Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta 1938 à 20 millions de crédits vient de passer en stock limité aujourd'hui. Si jamais vous en avez besoin, vous allez devoir rouler énormément. 20 millions de crédits, c'est excessivement cher. La Ferrari 330 P4 1967 est en stock limité à 9 500 000 crédits, c'est le dernier jour pour la prendre, si jamais vous en avez vraiment besoin. Et enfin, la Peugeot 205 Turbo 16 Evolution 2 1986 vient d'arriver en stock à 1 100 000 crédits. Cette voiture, il est peut-être pas nécessaire de l'acheter, puisque vous pouvez la remporter dans le GT Café numéro 37, dédié aux voitures de rallye. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt. Allez, à plus les gens!